fiscal. Oh, surtout. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, bienvenue au cinquième entretien d'ici de notre cycle consacré au thème « Penser autrement ». Après avoir abordé les féminismes avec Michel Perrault, la question de l'autre sous le prisme de la philosophie, puis celle des limites dans l'éducation par un psychologue, en décembre dernier, nous avons évoqué la valeur du travail au mois de janvier. Aujourd'hui, place à la science et à l'histoire, avec vous, Étienne Klein, qui venait évoquer la vie et l'œuvre de Galilée. On peut dire que Galilée symbolise à lui seul le thème « penser autrement ». Il remet en question la pensée d'Aristote sur la chute des corps, transforme la vision de l'univers en concevant pour la première fois le ciel et la terre comme un tout. Il invente, je fais votre conférence avant vous, hein. Il invente le concept d'univers au sein duquel les lois sont universelles. L'on connaît également ses démêlés devant l'Église, son procès, sa condamnation, la fin de ses jours dans de grandes souffrances. Malgré cela, ses écrits deviennent le ferment de l'Europe savante. Ses découvertes ont été déterminantes et il a posé les bases théoriques et expérimentales de la science moderne. Étienne Klein, quelle joie de vous accueillir pour parler de ce scientifique. Comme lui, vous cumulez toutes les casquettes. Physicien français, ancien élève de Centrale Paris, producteur sur France Culture, vous abordez les grandes révolutions scientifiques. Parmi vos sujets de prédilection, je citerai l'influence de Galilée sur la science moderne, la question cruciale de l'irréversibilité du temps, la théorie de la relativité d'Einstein et les grands principes de gravitation, la notion de masse. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle que la conférence avec Sama Karaki sur le thème « Le talent est une fiction » aura lieu le jeudi 14 mars prochain, ici même. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, monsieur le maire, pour votre invitation et pour votre présentation. Sur Galilée, vous avez dit l'essentiel. On pourrait parler de Galilée pendant... On pourrait parler de Galilée pendant des heures, surtout si on envisage de croiser la vie et l'œuvre de ce personnage. Je rappelle simplement qu'il est né en 1564, qu'il est mort en 1642, et que ses travaux, notamment ceux qu'il a menés pendant l'année 1604, qu'on présente parfois comme une année miraculeuse de la physique. 1905 sera l'année miraculeuse pour Einstein, mais Galilée, lui, en cette année 1604, a publié, effectué des travaux très importants qui ont, d'une certaine façon, coupé l'histoire en deux. Il y a un avant Galilée, il y a un après Galilée, et je n'aurai pas le temps ce soir de raconter sa vie. Je vais simplement illustrer par quelques exemples comment ses travaux de physicien, d'astronome, d'artisan, de bricoleur, d'écrivain, de dessinateur, d'artiste ont eu une influence décisive sur des questions fondamentales comme la question du vide, évidemment, mais aussi la chute des corps, et puis les principes qui deviendront les principes fondamentaux que Newton va utiliser pour construire sa mécanique à la fin du XVIIe siècle. Mais le point important, c'est que Galilée, même si en la matière il n'a pas été tout à fait le premier, il a compris une chose qui est vraiment fondamentale, et c'est en cela que ça ouvre la physique moderne, c'est qu'il a compris que le monde dans lequel nous vivons, nous cache l'univers. Alors, ce que j'appelle le monde, c'est évidemment pas la même chose que l'univers, sinon ma phrase n'aurait pas de sens. Ce que j'appelle le monde, c'est le contexte particulier dans lequel nous, les humains, nous vivons. Nous sommes sur Terre, nous ne sommes pas n'importe où dans l'espace, nous vivons dans l'atmosphère terrestre, nous respirons de l'air, nous ne sommes pas dans le vide. Nous sommes dans un champ de gravitation, pour employer un terme moderne que Galilée n'aurait pas utilisé, qui est très spécial. Nos vitesses de déplacement sont très faibles par rapport à la vitesse de la lumière. Et ce contexte très singulier nous trompe sur les lois physiques.
C'est-à-dire que les lois physiques, qui sont celles qui prévalent dans l'univers, semblent contradictoires avec l'observation que nous pouvons faire dans notre monde. Et il a donc compris que les vraies lois physiques sont des lois qui contredisent l'observation, toute observation que nous pouvons faire dans le monde. Et si on peut aller un peu plus loin que en regardant simplement le cas de Galilée, toute l'histoire de la physique depuis Galilée, c'est une histoire fabriquée par des génies comme lui et d'autres, grâce auxquels on a pu s'émanciper du contexte particulier dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, c'est une conquête qui a été menée par des gens qui, d'une part, se sont méfiés de nos sens, qui sont limités, qui sont trompeurs, et qui ont réussi à faire ce qu'on appelle des expériences de pensée, par lesquelles notre esprit devient capable d'aller se faire voir ailleurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont posé des questions qu'on appelle contrefactuelles, du type « qu'est-ce qui se passerait si ?» Et Galilée est l'inventeur, pour ce qui est de la physique, de ce type de questionnement. Par exemple, aujourd'hui, ma montre indique une certaine heure qui est la même que celle qu'indiquent vos propres montres. Elles sont donc synchronisées. Et si je me déplace dans l'espace, par exemple, je pars en avion, en train, en navette spatiale, quelle que soit la durée de mon voyage, et quels que soient vos déplacements pendant mon voyage, si on se retrouve plus tard, nos montres seront encore synchronisées. Et constatant ce fait, nous allons dire, bah tiens, le temps est universel et absolu. Le temps est le même pour tout le monde. Il y a un temps de l'univers dans lequel nous sommes, qui coule de la même façon pour tous les observateurs, de sorte que les temps individuels de chacun d'entre nous sont confondus. Ben ça, c'est une tromperie. Voilà, c'est faux. C'est faux. C'est une illusion qui vient du fait que nos vitesses de déplacement sont négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Heureusement d'ailleurs, parce que si la vitesse de la lumière valait non pas 300 000 km par seconde, mais disons 500 km par heure, on ne pourrait pas prendre de rendez-vous. Par exemple, il est 20h05 à ma montre ce 29 janvier, mais il aurait suffi que je prenne un TGV dans la semaine pour que ma montre se désynchronise complètement des vôtres et que le rendez-vous soit raté. Et donc ça, c'est un exemple de stratagème qui montre que si on se contente de déduire les lois du monde à partir des observations directes que nous pouvons faire des phénomènes physiques par une sorte d'induction, à chaque fois nous nous trompons. Or Aristote, lui, il avait bâti une physique qui n'expérimentait pas, pas d'expérience. On regarde les phénomènes de loin et on édicte des lois qui ressemblent aux phénomènes. Et Galilée, lui, il comprend que les lois physiques, et je vais donner des exemples, contredisent les phénomènes. Et tout le jeu ensuite, c'est de comprendre comment des lois qui contredisent les phénomènes les expliquent quand même. Voilà. Et c'est cela qu'il va faire de façon brillantissime. J'ai commencé par ces travaux bien connus, je ne vais pas y passer beaucoup de temps parce qu'ils sont célèbres, mais ces travaux en astronomie. Il n'a pas inventé la lunette astronomique. Il a récupéré une lunette qui avait été inventée, construite par un Hollandais, il l'a perfectionnée, et surtout, il a eu l'idée de l'utiliser pour regarder les planètes. Alors que jusque-là, elle était utilisée pour regarder les bateaux au loin sur la mer et se livrer à des manœuvres militaires. Et en une nuit très, très claire de l'hiver 1609-1610, il va noter sur un cahier, en faisant des très beaux dessins, ses observations. Et à l'époque, tout le monde était convaincu, derrière Aristote, qu'il n'y a pas un monde, mais il y a deux mondes. Il y a un monde qui va jusqu'à la Lune, qu'on appelait le monde sublunaire, et un monde qui va au-delà de la Lune, qu'on appelait le monde supralunaire. Et on pensait que le monde sublunaire, le nôtre, était corruptible. Il était constitué des quatre éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu,
et il était rédigé par des lois différentes du monde supralunaire, qui lui était constitué d'un matériau mystérieux, le cinquième élément qu'on appelait la quintessence. Et donc il y avait une séparation presque physique, qui était considérée comme réelle, entre ces deux mondes. Bon, vous connaissez l'histoire, Galilée regarde la Lune avec sa lunette, il voit que la surface de la Lune n'est pas lisse. Il y a des ombres. Et il remarque que les ombres sur la surface de la Lune se déplacent au cours du temps. Exactement comme les ombres sur Terre. Et d'ailleurs, même quand vous n'avez pas de lunettes astronomiques, vous regardez la surface de la Lune aujourd'hui par une nuit claire, et vous voyez que la surface de la Lune n'est pas lisse. Mais les gens pensaient qu'elle était lisse. Ils le pensaient tellement fort qu'ils ne voyaient pas qu'elle n'était pas lisse. Autrement dit, il arrive souvent qu'on croit ce qu'on voit. Ou plutôt, non, on voit ce qu'on croit. Et en fait, la déduction que Galilée a faite cette nuit-là, il aurait pu la faire sans lunettes. Mais il note que les ombres de ce qu'il appelle les montagnes, en fait, ce n'est pas des montagnes, on a appris plus tard que c'était des cratères, qui résultait de l'impact de météorites, les ombres se déplacent exactement comme les ombres se déplacent sur la Terre. Et il écrit cette phrase en pleine nuit dans ses notes, il écrit « La Lune est terreuse ». La Lune est terreuse, c'est une phrase incroyable. Il dit que la Lune en fait est comme la Terre. Elle n'appartient pas à un autre monde que le nôtre. Et puis il observe, vous le savez, les satellites de Jupiter. Et puis il observe les phases de Vénus. Et il n'est pas tout à fait sûr de lui d'ailleurs, parce que les images sont quand même pas très nettes. Et donc il écrit des phrases en latin qui disent ses découvertes. Il change l'ordre des lettres et il envoie les résultats à Kepler. Autrement dit, il utilisait des anagrammes pour protéger ses découvertes. Plutôt que d'annoncer la découverte, il l'écrivait, la transformait en anagramme. Comme ça, si quelqu'un d'autre faisait la même découverte, il pouvait se prévaloir de l'avoir faite avant les autres. C'est une longue histoire que je n'ai pas le temps de raconter, mais ce qui est drôle, c'est qu'à deux reprises, Kepler a mal traduit les anagrammes, et c'est normal, parce que quand vous avez une phrase très longue, il y a de multiples possibilités pour faire des anagrammes. Et donc, Kepler s'est trompé dans sa traduction, de sorte qu'il a cru à des résultats astronomiques différents de ceux que Galilée avait écrits. Et ces mauvaises traductions correspondaient à des vérités astronomiques qui seront découvertes bien plus tard. Je n'ai pas les phrases en tête, mais si ça vous intéresse, je pourrais les transmettre à monsieur le maire qui vous les donnera, mais c'est quand même assez incroyable. Et donc il comprend que ces objets qui sont censés appartenir au monde supralunaire, en fait, ont des vies, des comportements, des structures, des apparences qui sont les mêmes que pour les objets du monde sublunaire. Et donc, il comprend qu'il n'y a qu'un seul monde et pas deux. Et c'est lui qui va inventer le concept d'univers. Univers, ça veut dire qu'il y a unité ontologique, c'est la même matière partout, pas forcément dans les mêmes conditions physiques, évidemment, mais c'est la même matière partout, et qu'où qu'elle soit, elle est régie par les mêmes lois physiques. Donc un univers, c'est un monde dans lequel il y a à la fois une unité ontologique, matière partout la même, et une unité législative. Je ne sais pas si vous connaissez la ville de Chamonix, mais à Chamonix, il y a un magasin qui s'appelle l'univers du bonbon. Je crois que c'est une marque, peut-être il y en a un ici, les Moulineaux, l'univers du bonbon. Alors il y a des gens qui disent, mais quand même, ils se la pètent, quoi. L'univers du bonbon, ça va, quoi. Et en fait, quand on va dans ce magasin, on se rend compte qu'il mérite tout à fait cette appellation. Pourquoi ? Parce qu'on n'y vend que des bonbons. Donc il y a une unité ontologique. On ne trouve rien d'autre que des bonbons. C'est pas tous les mêmes, évidemment, de même que toutes les planètes ne sont pas identiques, mais on les paye tous au poids.
avec le même prix par kilo. Donc, unité législative. Donc, l'univers du bonbon, c'est vraiment un univers au sens que Galilée donne à ce mot. Et donc, il invente le concept d'univers. Et à partir du moment où il n'y a qu'un seul monde dans lequel les lois sont partout les mêmes, évidemment, ça va complètement changer la façon de penser cet univers et la physique qui prétend le décrire. Ensuite, il va poser un certain nombre de principes. Certains étaient déjà plus ou moins énoncés, de façon plus ou moins précise, par Giordano Bruno. Mais par exemple, il y a le principe de relativité. Principe de relativité qui va être l'un des principes fondateurs de la mécanique de Newton, qui sera retravaillé par Einstein un peu plus tard. Mais le principe de relativité dit quelque chose d'assez simple. C'est en fait une phrase qu'on peut couper en deux moitiés. La première moitié dit « le mouvement est comme rien ». Et l'immobilité est un mouvement partagé. C'est bizarre comme phrase. Le mouvement est comme rien, ça veut dire que quand vous êtes en mouvement, tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. Alors Galilée, lui, ne parle que de mouvements galiléens, c'est-à-dire des mouvements rectilignes et uniformes, des mouvements qui se font en ligne droite, à vitesse constante. Il est vrai que quand vous êtes, lui prend l'exemple d'un bateau, mais prenons l'exemple d'un TGV, un TGV qui roule à 300 à l'heure en ligne droite, à vitesse constante donc, vous êtes au bar du TGV, vous laissez tomber un objet, il va tomber à vos pieds, exactement au même endroit par rapport à votre pied, que si vous l'aviez laissé tomber au bar de la gare. Et c'est vrai, quelle que soit la vitesse du train, pour autant qu'il n'a pas d'accélération ou qu'il n'est pas dans un virage. Donc le mouvement est comme rien, c'est pas quelque chose qu'on ressent vraiment, parce que quand on est dans un TGV à grande vitesse, on sent qu'on est en mouvement. Mais lui dit non, 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 tout se passe exactement comme si on n'était pas en mouvement. Et ce soir, par exemple, nous sommes tous dans la même pièce, on dira donc que nous sommes immobiles les uns par rapport aux autres, mais Galilée dit non, on est tous mobiles par rapport à un autre point qui est en déplacement par rapport à nous. Et notre immobilité résulte simplement du fait que nous partageons le même mouvement. Mais la Terre, elle tourne autour du Soleil, donc on n'est pas immobile par rapport au Soleil. Le Soleil lui-même tourne autour du centre de la galaxie, etc. Et donc l'immobilité est toujours relative. Elle n'est jamais absolue. Et ça, ça posera des problèmes au XIXe siècle, qui sont passionnants, mais je suis à peu près sûr que je n'aurai pas le temps d'y revenir. Il y a un autre principe que je trouve encore plus extraordinaire, c'est que Galilée, aidé par des collègues pour le coup, il va poser un principe qui lui aussi sera un des principes fondamentaux de la mécanique, qui s'appelle le principe d'inertie. Vous le connaissez tous, c'est le principe qui dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force un mouvement rectiligne et uniforme. Moi, je me souviens avoir entendu parler de ce principe pour la première fois en classe de seconde. Je ne sais pas aujourd'hui à quel niveau scolaire on l'apprend, mais je me souviens avoir été très choqué d'entendre cela de la bouche de ma professeure de physique, de notre professeur de physique. Parce qu'à l'époque, j'allais au lycée à vélo, et j'avais remarqué que quand je cessais de pédaler, mon vélo s'arrêtait. Or Galilée dit non, un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne et uniforme. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Galilée m'explique avec un coup de pédale, je prends de la vitesse et je peux la conserver indéfiniment, et donc aller au lycée ou ailleurs sans pédaler davantage. Et donc il invente l'idée d'un mouvement inertiel. Et une fois que vous avez posé ce principe, vous devez expliquer pourquoi les mouvements que vous observez s'amortissent. Réponse de Galilée, parce qu'il y a d'autres forces que celles que vous exercez en pédalant qui s'appliquent au vélo. Il y a la résistance de l'air, il y a le frottement des pneus sur la route. Et donc votre vélo, quand vous cessez de pédaler, continue
de se voir appliquer des forces qui finissent par l'immobiliser. Mais si ces forces n'existaient pas, le vélo pourrait continuer indéfiniment en ligne droite. Mais vous voyez, c'est incroyable de pouvoir poser un principe qui contredit toute observation. Puisqu'en fait, personne n'a jamais vu de mouvement inertiel. Tous les mouvements que nous observons, soit s'amortissent, soit sont curvilignes. On n'a jamais vu de mouvement inertiel. Sauf quand la résultante des forces qui s'appliquent à un objet est nulle. C'est le cas du TGV qui avance à 300 km/h en ligne droite. La résultante des forces est nulle et il avance à cette vitesse. Mais un corps qui n'est soumis à aucune force, on n'a jamais vu. Et d'ailleurs, ça va poser un problème assez aigu à la fin du 19e siècle, quand les astronomes, les physiciens qui étudient la Voie lactée, à l'époque, on ne savait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On connaissait la Voie lactée, point barre. Et les gens voyaient bien qu'il y a des étoiles partout. Et s'il y a des étoiles partout, c'est la preuve qu'il y a la gravitation partout. Les étoiles engendrent un champ gravitationnel. Donc, quand vous prenez un objet massif, où qu'il soit dans l'espace, il subit au moins une force qui est son poids. Et donc, il n'existe aucun corps dans l'univers dont vous puissiez dire qu'il ne subit aucune force. Problème. Ça veut dire que l'énoncé du principe d'inertie correspond à une situation qui n'existe en aucun point de l'univers. Donc c'est un énoncé métaphysique. Et donc il y a des gens qui disent, bah, c'est comme ça, on juge de la validité de ce principe par les conséquences qu'il a, et ces conséquences étant vérifiées par l'observation, on considère que ce principe est vrai, même s'il a... Admettre qu'il est vrai, c'est construire la physique sur du sable, c'est-à-dire sur un principe qui n'est actuel nulle part. Sauf, et c'est la réflexion que fera un jeune homme au début du XXe siècle, sauf si on démontre que la gravitation n'est pas une force. Et ce jeune homme, il s'appelle Albert Einstein, d'accord ? Et en effet, il va, en reprenant des idées de Galilée, il va produire en 1915 une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale, qui démontre qu'en effet, la gravitation, contrairement à ce qu'on apprend à l'école, n'est pas une force qui s'exerce au travers de l'espace entre les corps massifs, c'est une déformation de la structure de l'espace-temps. De sorte que vous pourrez dire d'un corps qui subit la gravitation qu'il est un corps qui ne subit aucune force puisque la gravitation n'est pas une force. D'accord ? Donc, par exemple, à l'école, on apprend, je m'excuse de casser la baraque des profs de physique qui sont peut-être dans la salle, mais à l'école, on apprend que la Terre tourne autour du Soleil parce qu'elle est attirée par le Soleil par le biais d'une force calculée par Newton, qui est une force attractive. Ben Einstein dit non, il n'y a pas de force attractive. La Terre a un mouvement inertiel. Donc, elle ne subit pas de force et elle va en ligne droite. Et les gens disent, ben non, elle ne va pas en ligne droite, elle tourne autour de la Terre. Et réponse d'Einstein, mais oui, mais quand un corps va en ligne droite dans un espace courbé, elle a une trajectoire curviligne. Hein ? Voilà. Donc ça change complètement, vous voyez, l'interprétation des choses. Donc le principe d'inertie, c'est un principe qui, à l'époque en tout cas, ne correspond à aucune situation observable qu'on puisse faire. Et il y a un philosophe des sciences qui va beaucoup étudier Galilée, qui s'appelle Alexandre Coiré, qui dit, en prenant cet exemple, que le pari de la physique moderne, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire, on peut expliquer le monde empirique, celui que nous observons dans la vie quotidienne, par des lois qui, lorsqu'on les entend pour la première fois, et c'est en cela que ma réaction en classe de seconde était saine, semble impossible. Normalement, en cours de physique, au lycée, on devrait être scotché par ce que dit le prof. Tellement c'est incroyable. Les lois physiques contredisent
les phénomènes qu'elles décrivent. Or, on a tendance à penser que les lois physiques doivent ressembler aux phénomènes. Et l'exemple, évidemment, qui sera le plus illustratif de cette façon qu'a Galilée de penser autrement, qui est le thème de ce cycle de conférences, je pense qu'on peut dire que c'est la chute des corps. Tout le monde a vu les corps de masses différentes qui tombent. Aristote le premier, enfin pas le premier justement, mais lui va théoriser la chute des corps dans un livre qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle le Traité du Ciel. Et Aristote dit que la vitesse de chute d'un corps est proportionnelle à sa masse. Il ne dit pas seulement que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Il dit que la vitesse de chute est proportionnelle à la masse des corps. Et cette loi a été enseignée pendant des siècles et même des millénaires sans être contestée par quiconque, au motif qu'elle ressemblait aux observations. Et ça continue de m'étonner. Parce que cette loi, elle est à l'évidence fausse. Même si on se contente de faire des observations. Prenez par exemple un rocher qui a une certaine masse. Mettez à côté de lui un petit caillou qui a une masse 1 million de fois plus faible que le rocher. Imaginez que vous les laissez tomber tous les deux d'une certaine hauteur. Est-ce que vous pensez vraiment que le rocher va tomber 1 million de fois plus vite que le petit caillou? Si la chute est telle que le rocher met, je sais pas, 1 seconde pour atteindre le sol, vous pensez vraiment que le petit caillou va mettre 1 million de secondes pour atteindre le sol? Donc moi, je m'étonne beaucoup que... C'est ce qu'on appelle l'ipsédixitisme. Hein, ipsédixit en latin, c'est... Ipsé, c'est le maître. Le maître l'a dit, donc l'affaire est réglée. Donc si vous accordez l'autorité à Aristote, vous ne discutez plus, vous ne réfléchissez même plus à ce qu'il a pu dire, parce que c'est vrai, et c'est vrai parce que le maître l'a dit. Donc on répète cette loi, alors qu'à l'évidence, elle ne peut être que fausse. Et Galilée, lui, se demande, mais est-ce que cette loi est peut-être conforme aux observations, admettons, mais la question qui se pose, est-ce qu'elle est vraie? La légende raconte qu'il est monté au sommet de la tour de Pise, qui fait 54 mètres de haut, qui est penché, comme vous savez, et du haut du sommet, d'ailleurs, à quoi ça sert d'avoir une tour penchée, hein, franchement Donc ça, c'est une expérience complètement fausse. Galilée n'a jamais fait cette expérience. Il notait tout. Hein. On n'a aucune trace écrite qu'il ait fait cette expérience. Et d'ailleurs, elle a été retirée du guide touristique de la ville de Pise, qui jusqu'alors s'en vantait. Maintenant, ils n'ont... Bon. Mais d'ailleurs, admettons qu'il ait fait l'expérience. Il laisse tomber des corps très lourds en même temps que des corps plus légers. Qu'est-ce qui se passe? En convoquant évidemment les aristotéliciens de l'époque. Ben, qu'est-ce qu'ils voient? Que les corps lourds ont touché le sol avant les corps légers. Et les aristotéliciens disent, bah oui, on le savait. Donc aucune expérience menée à la tour de Pise n'aurait pu prouver ce que Galilée va prouver. Mais lui, il a une idée absolument géniale. Il va faire une expérience de pensée. L'expérience de pensée, c'est une expérience par la pensée qui consiste non pas à faire des expériences dans un laboratoire, mais à utiliser son cerveau comme laboratoire. C'est moins cher. Ça plaît beaucoup au ministre. Des expériences gratuites. Voilà. Et donc, il imagine qu'il existe. Plutôt non. Il invente un milieu de pensée. Un milieu de pensée, c'est ce qu'on appellera par la suite le vide. Il ne pose pas la question de savoir si le vide existe. Mais il le pense. Et il se demande... Comment ça se passerait si les corps qui tombent tombaient dans un milieu qui n'offre aucune résistance au mouvement? Alors il fait quand même des expériences. Par exemple, il prend une pierre, il la laisse tomber dans de la mélasse. Il voit qu'elle est freinée, puis s'immobilise. Il prend la même pierre, il la laisse tomber dans l'eau. Elle est freinée, mais moins que dans la mélasse. Et puis, s'il la laisse tomber dans l'air, elle sera freinée, mais encore moins que dans l'eau. Et peut-être que si le milieu dans lequel l'objet tombe n'avait aucune résistance au mouvement, peut-être que les différences de vitesse entre les différents objets
finirait par s'annuler. Mais à l'époque, on ne sait pas faire le vide. Non seulement on ne sait pas faire le vide, mais les doctes pensent que le vide n'existe pas. D'ailleurs, ce n'est pas tellement qu'il n'existe pas, c'est que la nature en a horreur, selon la phrase d'Aristote. Donc, le vide pourrait exister en principe, mais dès qu'il se manifeste, la nature déclenche des forces pour l'empêcher d'apparaître complètement. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on expliquait ce qui se passe quand on aspire du jus d'orange dans un verre avec une paille. C'est quand même un phénomène auquel on est très habitué, mais qui est très mystérieux. Alors, vous aspirez dans la paille, ben, et puis le jus d'orange monte. C'est quand même... c'est quand même fou, ça. Qu'est-ce qui fait que le jus d'orange, tout d'un coup, au motif qu'il est dans la paille, échappe à la gravité? Moi, je me souviens, j'ai demandé à mes parents, j'ai eu des réponses évasives. En fait, quelle est l'explication de l'époque? La nature a hors du vide. Donc vous aspirez dans la paille. Si vous continuez, ben, dans la paille, il y aura du vide. La nature a hors du vide. Donc elle demande au jus d'orange de bien vouloir monter dans la paille pour empêcher que le vide se manifeste. Autrement dit, l'horreur que la nature a pour le vide agit comme un antidépresseur. Dès qu'il y a une dépression qui advient quelque part, la nature demande à toute la matière alentour, qu'elle soit liquide, gazeuse ou solide, de se mobiliser pour investir l'endroit où le vide pourrait apparaître. Et ça allait même très loin. Par exemple, les gens avaient bien remarqué que quand on laisse une bouteille en verre remplie d'eau à l'extérieur un soir de grand froid, on la retrouve le lendemain matin cassée, avec à la place de l'eau de la glace. Explication. Alors à l'époque, les gens n'avaient pas compris que l'eau, c'est le seul matériau dont la phase solide soit moins dense que la phase liquide. C'est le seul. Hein. Donc ils pensaient que quand l'eau gèle, elle devient plus dense, comme tous les corps solides, donc elle se contracte. Mais en se contractant, si la bouteille est fermée, du vide va apparaître. La nature déteste ça et demande à la bouteille de se casser pour empêcher que le vide se manifeste. Okay. Donc Galilée, lui, il se pose pas la question, en tout cas à cette époque-là, de savoir si le vide existe ou non. Mais il l'utilise comme milieu de pensée. Il ne peut pas faire d'expérience puisqu'on ne sait pas comment faire le vide. Mais il réfléchit. Et dans son livre Discours sur de sciences nouvelles, il raconte l'expérience de pensée qu'il a faite. Mais auparavant, dès 1604, il a l'intuition que dans le vide, les lois du mouvement seraient beaucoup plus simples qu'en dehors du vide, dans l'atmosphère. Et elles seraient même tellement simples qu'on pourrait les mathématiser de façon élémentaire. Il écrit la première équation de la physique moderne, c'est-à-dire une équation mathématique qui dit loi physique. La première fois que quelqu'un fait ça. Il écrit V, la vitesse de chute, est proportionnelle à la durée de la chute. Et le coefficient de proportionnalité ne dépend pas de la masse du corps qui tombe. Il dit par exemple, c'est la même loi pour une plume et une enclume. C'est délirant comme loi, non? C'est absurde. C'est délirant, parce qu'on voit bien qu'une plume tombe moins vite qu'une enclume. Et alors la question, c'est comment est-ce qu'il a fait pour le démontrer alors qu'il ne peut pas le voir? Mais il a fait une expérience de pensée qui raconte donc dans ce livre Discours de sciences nouvelles qui est publié en 1632. Il y a trois personnages, vous savez, qui discutent, dont un qui s'appelle Salviati, qui est un ami de Galilée qui habitait à Florence, qui est en fait son porte-parole. Mais comme Galilée avait peur de l'Inquisition, il avait raison, il préférait avancer masqué. Et donc Salviati propose à un aristotélicien avec lequel il discute l'expérience de pensée suivante. On suppose qu'Aristote a raison. C'est-à-dire on postule qu'un corps très lourd va tomber plus rapidement qu'un corps plus léger. C'est l'hypothèse.
très bien. Et elle semble conforme aux observations. Maintenant, et c'est là que commence l'expérience de pensée, je suppose que je relie la grosse pierre, par exemple, à la petite pierre par une ficelle. Donc ça fait un système à deux pierres qui est plus lourd que la grosse pierre. Et maintenant, j'imagine que je laisse tomber ce système de deux pierres d'une certaine hauteur. Que dit Aristote ? Ben, que l'ensemble est plus lourd que la grosse pierre. Donc, l'ensemble va tomber plus vite que la grosse pierre toute seule. Oui, mais pendant la chute, la petite pierre, qui tombe moins vite, va tendre la corde et freiner la chute de la grosse par un effet parachute. La petite pierre va se comporter comme un parachute. Et donc freiner la chute de la grosse pierre. Donc l'ensemble formé par les deux va tomber moins vite que la grosse pierre toute seule. Cette contradiction, un peu sophistique, personne ne l'avait vue. Comment résoudre la contradiction ? En disant que la grosse pierre tombe à la même vitesse que la petite pierre, ce qui n'est pas ce qu'on voit. D'accord ? Donc la première loi physique, c'est ça que je trouve extraordinaire, la première loi physique est une loi qui contredit toute observation possible à l'époque où elle est énoncée. Cette loi physique a été obtenue sans données expérimentales. Je vous rappelle qu'en 1604, on ne sait même pas définir la notion de vitesse instantanée. On n'a pas mis au point le calcul intégral ou différentiel. Galilée, il a très peu de données. Et aujourd'hui, en 2024, on utilise la même loi de la chute des corps qu'à l'époque, alors qu'on a beaucoup de données. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la physique est une sorte de stratégie par laquelle on fait en sorte, intellectuellement, on fait en sorte que le monde décoïncide d'avec ce qu'il nous montre. On fait un pas de côté, on va se faire voir ailleurs, on théorise, et une fois qu'on a théorisé, on revient dans le monde empirique pour expérimenter. Et donc on pourrait dire que, de ce point de vue, Galilée invente à la fois la physique théorique et la physique expérimentale, qui s'émancipent de l'observation, en tout cas dans un premier temps, et surtout qui se méfient des sens, et surtout de notre faculté quasi immédiate à considérer que les lois qui expliquent les phénomènes doivent ressembler aux phénomènes eux-mêmes, dans une sorte de sténographie qui dirait de façon synthétique ce que l'observation nous montre de façon éventuellement complexe. Alors l'histoire du vide, elle est intéressante parce que l'histoire de la chute des corps plutôt, c'est que en 1640, il va se passer un événement qui va lui aussi couper l'histoire en deux. Galilée, à l'époque, il est évidemment très âgé, il est devenu quasiment aveugle. Il va mourir, comme je vous l'ai dit, 2 ans plus tard. Mais il habite dans un petit village, il est assigné à résidence, qui est un village très voisin de la ville de Florence, en Italie, qui est la ville de la Renaissance. Florence, c'est vraiment la ville qui symbolise l'esprit de la Renaissance. Comment montrer cet esprit ? Par des fontaines. Je ne sais pas s'il y a des fontaines ici, des moulineaux. Mais l'idée, c'était d'utiliser des pompes à eau, qu'utilisaient les paysans pour vider les fossés inondés dans les champs. Donc il y a des fontainiers qui faisaient tourner des roues, qui actionnaient des pompes à eau, qui permettaient de faire monter de l'eau à une certaine hauteur. L'eau qui était pompée, c'était l'eau de l'Arno, le fleuve qui coule à Florence. Et un jour, les fontainiers se rendent compte que quand la hauteur entre le niveau d'eau dans lequel ils pompent, le niveau du fleuve, et la pompe, devient supérieur à 18 coudées. 18 coudées, ça fait 10 mètres. Les fontainiers ont bon pomper avec toute la force qu'ils peuvent avoir, l'eau ne monte pas plus haut. Il y a une limite. On peut faire monter l'eau à 10 mètres, pas plus. Évidemment, ils pensent qu'il s'agit d'un problème technique.
Donc ils font venir des artisans, des ingénieurs qui changent le diamètre de la pompe ou bien d'autres pièces de cet instrument. Et ils tombent toujours sur la même limite. Ils ne comprennent pas. Et donc ils écrivent une lettre à Galilée. Une lettre magnifique d'ailleurs. Ils expliquent tout ce qu'ils ont fait. Et racontent comment à chaque fois ils ont buté sur la même impossibilité de faire monter de l'eau au-delà de 10 mètres. Galilée est aveugle, je l'ai dit, et la lettre lui est lue par son assistant, qui s'appelait Evangelista Torricelli. Galilée écoute la lecture de la lettre, et il comprend tout de suite que le problème qu'ont rencontré les fontainiers, ce n'est pas du tout un problème technique, c'est un problème physique. La limite sur laquelle ils sont tombés est la preuve pour Galilée qu'il existe une pesanteur de l'air, qu'on appellera plus tard la pression atmosphérique, et que cette pesanteur de l'air, elle est énorme. Elle vaut 10 tonnes par mètre carré. Bon, par exemple, sur cette table, si je prends un mètre carré de la surface, Galilée me dit qu'il y a 10 tonnes qui appuient sur la surface. Donc je me demande pourquoi la table ne s'écrase pas sur mes pieds. Ben, la réponse, ou l'explication, c'est qu'il y a aussi 10 tonnes qui poussent dans l'autre sens. Autrement dit, la pression atmosphérique, elle est isotrope, elle appuie de la même façon dans toutes les directions. Donc on ne la sent pas, parce que la pression atmosphérique qui appuie sur notre corps, elle est équilibrée par la pression interne de notre corps. Donc on ne la sent pas. Sauf si on monte au sommet d'une montagne, comme l'Everest. Remarquez, au sommet de l'Everest, les alpinistes, ils ont des têtes sphériques. D'accord ? Parce que la pression atmosphérique n'appuie pas sur les joues comme elle le fait aux altitudes plus basses. Et si je reviens au jus d'orange de tout à l'heure, qu'est-ce que comprend Galilée ? C'est qu'en fait, si je prends le verre de jus d'orange, il y a donc la pression atmosphérique, 10 tonnes par mètre carré qui appuie sur le jus d'orange qui est dans le verre. Je trempe une paille. Il y a aussi 10 tonnes par mètre carré qui appuie sur le jus d'orange qui est dans la paille. Mais si avec ma bouche, par un travail de suction, je diminue la pression dans la paille, alors la pression dans la paille va devenir inférieure à la pression atmosphérique qui appuie sur le jus d'orange qui est dans le verre. Et c'est cette différence de pression qui va faire monter le jus d'orange. Autrement dit, le jus d'orange, il monte dans la paille, non pas parce qu'il est tiré vers le haut, par le haut, mais parce qu'il est poussé par une force qui va du haut vers le bas. Donc il inverse complètement l'explication. Et comme cette pesanteur de l'air vaut 10 tonnes par mètre carré, bah, la densité de l'eau c'est 1, donc 1 litre c'est 1 kilo, cette force de 10 tonnes par mètre carré, elle peut faire monter de l'eau jusqu'à une hauteur de 10 mètres. Mais pas au-delà. Pour aller à 11 mètres, il ferait 11 tonnes par mètre carré, puis 12, etc. Et évidemment, ce n'est pas évident de construire des tubes de 10 mètres. Hein. Donc il y a des désaccords entre les historiens. Il y a des gens qui disent que à Florence, des gens ont essayé de faire l'expérience avec des vrais tubes de 10 mètres. Bon, c'est pas ça. Mais Torricelli, avant de mourir, il est mort très jeune, il a une idée géniale. Il s'est dit, bah, on va prendre le liquide le plus dense connu à l'époque, le vif argent. Le vif argent, c'est l'ancien nom pour le mercure. La densité du mercure, c'est 13,6. Ça veut dire qu'un litre de mercure pèse 13,6 kg. Donc 13,6 fois plus que l'eau. Et donc il a l'idée de prendre une bassine dans laquelle il verse du mercure. Ensuite, il prend un tube d'un mètre, comme ça, un mètre. Il le bouche par le bas, avec un. Je crois qu'il prenait de la panse de brebis comme bouchon. Il verse du mercure sur ce tube d'un mètre de long jusqu'en haut. Donc le tube est intégralement rempli. Une fois que c'est fait, il le bouche en haut avec un autre bouchon.
Une fois que le tube est rempli et bouché aux deux extrémités, Torricelli le met dans le liquide de mercure, verticalement. Une fois que le tube est immergé dans le mercure, il enlève le bouchon du bas et il regarde ce qui se passe. Et il voit que le niveau de mercure baisse, puis s'arrête. Il mesure la hauteur entre le niveau de mercure du bassin, de la bassine, et l'eau de la colonne de mercure, et il trouve, en unité moderne, il trouve 76 cm. Et il pousse un cri de joie, contrairement à vous. Hein? Alors pourquoi est-ce qu'il pousse un cri de joie? Parce que 10 mètres divisé par 13,6, ça fait 76 cm. Okay. Autrement dit, la pression atmosphérique, elle peut faire monter de l'eau jusqu'à 10 mètres, et elle peut faire monter un liquide 13,6 fois plus dense jusqu'à 76 cm. Au passage, il invente le baromètre. Parce que si la pression atmosphérique varie, la hauteur de la colonne de mercure va varier aussi. Donc il invente le baromètre. Et toute la question qui agite les gens à l'époque, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le tube, dans la partie qui a été laissée libre par la chute du mercure? Est-ce que c'est du vide? Est-ce que c'est un gaz raréfié? Torricelli ne publie pas son résultat, il a peur de l'Inquisition. L'Inquisition qui est contre les sens du vide. Hein. Les inquisiteurs considéraient que le vide ne pouvait pas exister puisque un espace vide ne contiendrait pas Dieu, or Dieu est partout. Je caricature, mais c'est un peu ça. Par contre, il va faire des démonstrations de son expérience dans différentes villes d'Italie, notamment à Rome, en 1644, au mois de décembre, devant plusieurs personnes, dont un Français qui s'appelle Mersenne, l'abbé Mersenne, qui était en tournée, si on peut dire, en Italie, et qui avait fondé une académie à Paris. Et Mersenne, il est très impressionné par l'expérience de Torricelli. Il rentre à Paris au mois de janvier, et il en parle à tout le monde. Alors tout le monde, ça veut dire Descartes, Étienne Pascal, le père de Blaise Pascal, Robert Val, Torricelli, Gassendi et quelques autres. Et ça va déclencher pendant quelques années, 2 ans, ce qu'on va appeler la querelle du vide. La querelle du vide. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les 24 cm? Descartes ne croit pas au vide. Les gens essaient de refaire l'expérience à Paris, mais le verre parisien n'est pas de bonne qualité, donc dès qu'on met du mercure, ça casse. Donc ils n'arrivent pas à reproduire l'expérience de Torricelli. Mais là, il se passe un petit miracle qui est lié à la politique, c'est que Étienne Pascal, pour je ne sais plus quelle raison, est mis en disgrâce, il est obligé de s'exiler, de quitter Paris. Il s'installe à Rouen. Et à Rouen, on sait faire du verre. Donc à Rouen, ils arrivent à refaire l'expérience de Torricelli avec du verre qui tient le mercure. Et puis ils vont changer les protocoles, ils vont remplacer le mercure par d'autres liquides, du vin par exemple. Ils vont monter des colonnes avec de l'eau justement sur 10 mètres, puis du vin. La densité du vin est un peu différente de celle de l'eau liquide. Et donc ils font plein de trucs. Et à partir de 1646, Étienne Pascal va dire à son fils Blaise, qu'à 23 ans, c'est pour toi. Voilà. Ce problème-là, c'est pour toi. Et Blaise Pascal va se passionner pour cette question et il va la résoudre très rapidement. J'ai pas eu le temps de... C'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai oublié de prendre ma chemise avec mes notes. Hein. C'est pour ça que j'improvise. Mais... Ouais, mais je peux pas citer les phrases exactes. Et Blaise Pascal, il se dit, mais finalement, s'il y a une pesanteur de l'air, et si on grimpe? Cette pesanteur de l'air doit être
plus basse en haut qu'en bas. Elle doit diminuer avec l'altitude. Il habite Paris à l'époque. À Paris, il n'y a pas de montagne. Mais il utilise la chance qu'il a d'avoir un beau-frère. Il a un beau-frère qui s'appelle Florin Perrier, qui est l'époux de sa sœur, et qui habite à Clermont-Ferrand. Et à Clermont-Ferrand, il y a le Puy-de-Dôme. Donc il écrit une lettre à son beau-frère dans laquelle il lui explique ce qu'il doit faire. Prendre un tube de Torricelli avec le bassin, escalader le Puy-de-Dôme et vérifier à différentes altitudes comment évolue la hauteur de la colonne de Mercure entre la base et le sommet. Et il emmène avec lui une équipe avec des aristotéliciens, des notables, des clercs, des religieux, pour qu'ils soient tous d'accord sur les niveaux mesurés. Et puis pendant l'expédition, on maintient en bas, dans un cloître, un autre tube de Torricelli, et d'autres gens vont vérifier s'il n'y a pas d'éventuelle variation du niveau qui serait liée à je ne sais quelle fluctuation de la pression atmosphérique. Et Florin Perry va faire l'expérience au mois de septembre 1647, et il va constater qu'en effet, au sommet, la hauteur de la colonne est plus basse, plus faible qu'en bas. Ce qui veut dire que la pression atmosphérique a en effet diminué avec l'altitude. Et Blaise Pascal va rédiger un traité du vide qui va clore l'affaire. Il ne l'a pas complètement rédigé, il ne l'a pas terminé, il a été publié après sa mort, mais tous les arguments sont là. Il y a notamment un petit passage assez savoureux, puisque vous voyez, notre façon de raconter ces choses se fait avec un vocabulaire qui est caduque. On continue de dire qu'on aspire le jus d'orange. On n'aspire rien du tout. On avale de l'air. Et l'exemple que prend Blaise Pascal, c'est assez charmant d'ailleurs. Il explique ce qui se passe quand un nourrisson tète le sein de sa mère ou de sa nourrice. Il dit, on raconte que l'enfant aspire le lait maternel. Mais il dit pas du tout. Il aspire rien du tout. Simplement par la suction, il diminue la pression dans sa bouche. Et c'est la pression atmosphérique appuyant sur le sein, comme pour le jus d'orange, qui fait sortir le lait. Donc le lait, il n'est pas aspiré, il est expulsé. Donc il faudrait que les nourrissons disent « Maman, je vais expulser ton lait », mais pas... Vous voyez, nos façons de parler sont aristotéliciennes. Bon, là, je m'écarte de Galilée, qui est, quand Blaise Pascal écrit son traité, est mort depuis 5 ans. Et pour peut-être laisser la place aux questions, je peux aussi dire que Galilée, c'est le premier à avoir pensé que le langage de la nature, c'est le langage mathématique. Il pense à la géométrie, lui. Et il dit, sans ce langage-là, il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Autrement dit, il nous dit, en termes modernes, pour faire de la physique, il faut faire des mathématiques. Les lois physiques s'expriment mathématiquement. Lui, je l'ai dit, penser à la géométrie, ça ne va pas être la bonne solution. La bonne solution, ça va être des équations différentielles. Mais l'idée est là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, sans ce langage, il est humainement impossible de comprendre un seul mot de la nature. Et la question qui reste ouverte, c'est qu'est-ce qu'il veut dire par humainement ? Est-ce que les mathématiques sont le langage de la nature, que les humains doivent apprendre pour comprendre la nature ? Ou est-ce que les mathématiques sont un langage humain perfectionné que nous utilisons pour interroger la nature ? Bon, la question est ouverte, on pourrait en débattre longuement, mais le point important, c'est que celui qui va s'engouffrer dans cette ouverture intellectuelle, c'est Newton. Newton va écrire une mécanique, une théorie de la gravitation universelle ensuite, qui s'appuie sur des équations mathématiques. Et depuis, ça n'a pas cessé.
Et moi, je vois beaucoup d'étudiants encore aujourd'hui qui pensent que les mathématiques sont simplement un langage qui permet de dire de façon économique, précise et rigoureuse des choses qu'on pourrait dire de façon plus longue par le langage naturel. Ben non, les équations de la physique disent des choses que le langage ne dit pas spontanément. Et puis surtout, la suite de l'histoire va le montrer, les théories physiques, les équations mathématiques qui les constituent, agissent comme un treuil ontologique, c'est-à-dire qu'elles permettent de prédire l'existence d'entités physiques qu'on n'a jamais vues et qu'on finit par découvrir parce que les équations réclament qu'elles existent. Et s'il n'y avait pas des équations pour prédire que ces choses devaient exister, on ne les aurait pas cherchées. Et comme on ne les aurait pas cherchées, on ne les aurait pas trouvées. Pensez à la physique du XXe siècle. Vous êtes capable de nommer le nombre considérable d'entités physiques qu'on a pu découvrir parce que des théories physiques réclamaient qu'elles existent. Ça a commencé au XIXe siècle, quand Maxwell, en écrivant les équations de l'électromagnétisme, a prédit l'existence des ondes électromagnétiques, qu'on a pu découvrir un peu après grâce à Hertz. Maintenant, quand on prend le XXe siècle, si je vous dis trou noir, onde gravitationnelle, boson de Higgs, quark, boson intermédiaire, neutrino, toutes ces choses ont été prédites avant d'être découvertes. J'aurais pu ajouter les antiparticules, l'antimatière, etc. Et c'est ça qui donne aux mathématiques en physique bien autre chose qu'un pouvoir simplement descriptif. C'est un pouvoir prédictif. On prédit l'existence d'entités nouvelles qu'on finit par détecter parce qu'on met en œuvre des moyens considérables parfois. Pour le boson de Higgs, ça a été un grand accélérateur de particules. Pour les ondes gravitationnelles, ça a été un grand interféromètre de plusieurs kilomètres de long avec des lasers. Donc c'est des gros moyens, mais on arrive comme ça à détecter des choses que les équations réclament. Donc, je dis ça parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'avec le big data, l'intelligence artificielle, les algorithmes, le réel va parler davantage grâce aux données numériques qu'il nous livre que par les théories physiques. Ce qui fait que dans les grandes écoles, il y a des querelles d'anciens et des modernes. Il y a les vieux comme moi qui disent on doit enseigner aux étudiants les théories physiques parce qu'elles disent plus de choses sur le réel que les données. Et en plus, comme je vous l'ai dit, la physique est née sans données. Et puis il y en a d'autres qui disent non, non, il faut recueillir des données avec des algorithmes, on trouvera des corrélations qui seront plus révélatrices du réel que les équations. Ben, ils ont tort. Enfin, ils ont tort. Vous pouvez faire tomber des corps de masse différentes, de formes différentes, de densités différentes, de n'importe quelle altitude dans l'atmosphère, sous n'importe quelle condition météo, du vent, pas de vent, de la pluie, etc. Et vous recueillez toutes les données. Pour la chute de chacun de ces corps, la trajectoire, la vitesse, l'accélération, la position, vous avez tout. Vous donnez ça à manger à un algorithme. Ben, l'algorithme, si vous lui dites ensuite, je vais lancer de telle hauteur, tel corps, de telle masse, dans telle condition météo, l'algorithme sera capable de prédire exactement la trajectoire de l'objet. Ça, c'est sûr. Mais l'algorithme sera incapable de faire une expérience de pensée qui le conduirait à dire si le corps était jeté non pas dans l'air mais dans le vide, sa vitesse de chute serait la même que celle de tous les autres corps. Donc Galilée, sans ordinateur, il a fait mieux que tous les ordinateurs possibles. J'espère avoir été convaincant sur ce point pour qu'on rajoute des heures de physique dans les grandes écoles au lieu d'ajouter des heures de programmation. Et oui, et pour moi, le successeur de Galilée, c'est pas vraiment Newton. En fait, c'est Einstein. C'est-à-dire, le chemin intellectuel entre Galilée et Einstein, il est beaucoup plus court qu'entre Newton et Einstein. Donc pour moi, Einstein, il est vraiment le successeur de Galilée. D'ailleurs, il va reprendre les expériences de Galilée, les
expériences de pensée de Galilée, pardon. Mais l'originalité d'Einstein, c'est que dans les expériences de pensée qu'il va faire, il va mettre en scène son propre corps. Par exemple, quand il a 15 ans, vous l'avez certainement lu quelque part, quand il a 15 ans, Einstein raconte qu'il s'imagine à cheval sur un rayon de lumière. Et il se demande, si votre fils vous demande, papa, maman, qu'est-ce qui se passerait si j'étais à cheval sur un rayon de lumière, vous lui dites, va jouer, quoi. Hein? Et Einstein, du haut de 5-15 ans, il sait que les ondes, enfin, la lumière, c'est des ondes électromagnétiques, des ondes qui se propagent dans l'espace. Et donc, si vous êtes à cheval sur un rayon de lumière, vous êtes à cheval sur une onde électromagnétique. Donc vous êtes exactement dans la position d'un surfeur qui est sur la crête d'une vague et qui avance avec la vague. Mais quand vous êtes sur la crête d'une vague qui avance, la vague qui est devant vous, elle avance comme vous. Donc par rapport à vous, elle est immobile. Et la vague qui est derrière vous, elle est immobile aussi. Donc quand vous faites du surf, vous voyez des vagues immobiles par rapport à vous. Donc, vous voyez une onde stationnaire. Donc, Einstein se dit, si j'étais à cheval sur une onde électromagnétique, je verrais une onde électromagnétique stationnaire, qui ne bouge pas par rapport à moi. Or, il savait à 15 ans qu'il n'existe pas de solution stationnaire des équations de Maxwell qui décrivent la propagation des ondes électromagnétiques. Donc, il se dit, soit les équations de Maxwell qui disent que l'expérience que j'ai imaginée n'est pas possible, très bien, soit au motif qu'elles disent que ce n'est pas possible, elles sont fausses. Et c'est ce genre de réflexion qui va l'amener à la théorie de la relativité restreinte en 1905, où il va dire, finalement, l'expérience que j'ai imaginée, elle est impossible. Pourquoi ? Parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Quelle que soit ma vitesse dans l'espace. Donc je ne pourrais jamais être immobile par rapport à une onde électromagnétique. Parce que quelle que soit ma vitesse, l'onde va par rapport à moi à la vitesse de la lumière. Donc c'est même pas la peine que je bouge. La vitesse d'une onde qui passerait dans cette salle par rapport à nous serait la même que nous soyons immobiles dans la salle ou qu'on soit en train de courir derrière elle à 250 000 km par seconde. C'est pas la peine de bouger. Et puis en 1907, Einstein va avoir, alors qu'il est toujours ingénieur au bureau des brevets de la ville de Berne, il va rentrer de déjeuner, comme tous les jours, et il a trouvé un petit stratagème pour ne pas rater les idées qui pourraient jaillir dans son esprit. Et en fait, il fait une sieste digestive. En fait, il appelle ça une sieste semi-éveillée. Donc il est assis sur son tabouret, il n'y a pas de dossier. C'est-à-dire que s'il s'endort, son corps va tomber, et il y aura un réflexe qui le réveillera en fait. Et donc il aura suffisamment de conscience résiduelle pour capturer l'idée qui pourrait passer dans son esprit. Et ce jour-là, en novembre de 1907, il racontera plus tard qu'il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie. Il écrit « J'ai compris ce jour-là que si mon corps tombait en chute libre, je ne sentirais pas que j'ai un poids. Cela provoqua en moi une très vive émotion qui me mena 8 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation. » Alors, en fait, là, il a rien découvert, Einstein. Il a simplement pris au sérieux, dans une expérience de pensée, Galilée. Parce qu'en effet, si vous tombez en chute libre, ça veut dire tomber dans le vide. Tomber dans le vide, c'est-à-dire tomber dans un milieu qui n'offre à votre corps aucune résistance. Autrement dit, quand vous tombez en chute libre, vous tombez en ne subissant comme seule force que votre poids. La seule force qui s'applique à votre corps, c'est votre poids. Et c'est parce que vous avez un poids que vous tombez. Okay. Mais si pendant la chute, je tiens dans ma main cette bouteille d'eau, je la lâche,
Qu'est-ce que je vais voir ? La bouteille d'eau n'a pas la même masse que moi. Mais Galilée a dit que tous les corps tombent à la même pièce dans le vide. Donc cette bouteille par rapport à moi, elle va tomber à la même vitesse que moi, donc elle ne va pas tomber par rapport à moi. Je vais la voir flotter. Elle va léviter autour de moi, de sorte que j'aurai l'impression que la gravitation a disparu. Alors même que je suis en train de la subir. Et à chaque fois, je dis, c'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire ? La gravitation est la cause de ma chute. Et elle produit un effet, l'accélération de mon corps qui tombe, qui annule pour moi la gravitation. C'est comme si l'effet produit annulait sa cause. Et ça, ça a prouvé, il le dit lui-même, chez Einstein, une très très forte émotion. Alors qu'il n'a fait que prendre au sérieux, au travers d'une expérience de pensée dans laquelle il met en scène son corps, pour faire parler une loi qui datait de 3 siècles auparavant. Et c'est cette idée-là qui va le mener au principe d'équivalence. Et principe d'équivalence entre l'accélération et la gravitation. Et en fait, on a trouvé un texte de Galilée. J'aurais aimé le citer, mais je l'ai oublié dans ma chemise. Il y a un texte de Galilée incroyable dans lequel il y a 2 doigts d'énoncer le principe d'équivalence d'Einstein. Il dit en gros, si je prends un morceau de plomb et je mets dessus un autre objet, par exemple une bille, et ben, je laisse tomber le truc. Les 2 objets vont tomber à la même vitesse, de sorte que la bille n'aura pas l'impression de peser sur l'autre objet. Donc il a compris que la gravitation allait annuler le poids, en fait. Mais il ne le dit pas exactement dans ces termes. Alors que Einstein, lui, va le dire de façon très précise. Et vous voyez que, sans faire d'expérience, il découvre un principe fondamental, principe d'équivalence, qui dit en gros ceci. Imaginez que je prenne une cabine d'ascenseur, c'est ça. Il n'y a pas de fenêtre, pas de hublot qui me permet de voir l'extérieur quand je suis à l'intérieur. Je pose cette cabine sur le sol terrestre, donc dans le champ de gravitation terrestre. Dedans, je mets un physicien à qui je donne des objets de masse différente. Il va voir que les objets tombent sur le plancher. Ça, c'est la situation numéro 1. La situation numéro 2, c'est je mets cette cabine dans l'espace, à un endroit où il n'y a pas du tout de gravitation. Simplement, je mets ici un petit réacteur qui va pousser la cabine dans une certaine direction avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur. Donc il faut imaginer que la cabine accélère dans une certaine direction. Dedans, je mets un physicien avec des balles, etc. Il s'amuse avec. Bon. Ce que dit le principe d'équivalence d'Einstein, c'est qu'il n'existe aucune expérience que pourrait faire le physicien enfermé dans la cabine qui lui permettrait de savoir s'il est dans la première situation ou s'il est dans la deuxième situation. Autrement dit, elles sont équivalentes. C'est pour ça qu'il parle de principe d'équivalence. Très bien. Vous voyez, ce n'est pas un truc génial, c'est un truc assez évident. Mais en 1910, Einstein va refaire une expérience de pensée. Toujours avec son corps dans l'histoire. Il imagine qu'il est dans la deuxième situation. Dans une cabine d'ascenseur qui est accélérée avec une accélération constante. Il imagine qu'il y a un rayon de lumière qui rentre dans la cabine par un petit trou percé à gauche pour moi, à droite pour vous. La lumière arrive, elle traverse la cabine et elle met un certain temps pour traverser la cabine puisque la vitesse de la lumière n'est pas infinie. Donc elle met un certain temps pour traverser la cabine. Pendant que la lumière traverse la cabine, la cabine se déplace puisqu'elle a accéléré. Donc le point d'impact de la lumière sur la paroi de droite n'est pas au même niveau que le point d'entrée. Et moi, dit Einstein, qui suis dans la cabine, qu'est-ce que je vois ? Je vois que la lumière a traversé la cabine en suivant une trajectoire courbe. C'est pas étonnant, hein, c'est l'accélération de la cabine
qui a provoqué un effet dynamique qui a courbé la lumière. Donc je ne dis pas que la lumière a une trajectoire curviligne, je dis qu'elle va en ligne droite, mais c'est mon mouvement accéléré qui fait croire qu'elle a une trajectoire courbe. Donc là, il n'y a rien de très choquant. Mais Einstein dit principe d'équivalence. Principe d'équivalence. Première situation, je fais la même expérience. Le principe d'équivalence réclame que je vois la même chose. Donc là, il n'y a plus d'accélération. La cabine est immobile, posée sur le sol. Mais comme je vais voir la même chose, ça veut dire que la lumière qui traversera la cabine sera elle aussi courbée. Mais par quoi? Il n'y a pas d'accélération. Et je vous rappelle que la lumière n'a pas de masse. Il n'y a pas d'autre solution que de dire la lumière, bien que sans masse, est courbée par la gravitation. Et là, il démissionne de Prague, il était prof à Prague, il démissionne, il retourne à Zurich. Parce qu'à Zurich, il a un vieux copain qui s'appelle Marcel Grossmann, qui a suivi les cours de l'école polytechnique de Zurich avec lui, mais qui, à la différence d'Einstein, ne séchait pas les cours de maths et connaît parfaitement les géométries non euclidiennes. Et Einstein, il a compris que pour comprendre ce qu'il vient de comprendre et le décrire mathématiquement, il faudra utiliser des géométries qui ne sont pas euclidiennes, avec un espace qui est courbé. Et c'est la courbure de l'espace qui permettra d'expliquer pourquoi la trajectoire de la lumière est curviligne. Et vous voyez, c'est exactement le même type de raisonnement que Galilée. Alors pour finir, je ne sais pas si j'ai le temps encore, 3 minutes, parce que moi je suis évidemment admiratif de Galilée au-delà de toute proportion raisonnable, mais aussi d'Einstein. Hein. Mais j'entends dire beaucoup de mal de lui. Par exemple, vous savez, il y a un livre qui a été écrit par Husserl en 1933, quand Hitler a accédé au pouvoir, et ce livre s'intitule La Terre ne se meut pas. Et ce n'est pas vraiment une critique de Galilée, mais quand même, Husserl dit que le grand problème de notre civilisation, c'est que on considère que ce qui n'est pas objectivable mathématiquement n'existe pas vraiment. Et donc, ça a conduit à une sorte d'hyper-rationalisme qui a desséché nos âmes, racorni nos esprits, etc. Et puis aujourd'hui, on entend dire que la science moderne, inventée par Galilée, est responsable du changement climatique, de tous les maux que nous discutons aujourd'hui. En fait, il y a un peu de vrai là-dedans. C'est-à-dire que Galilée, puis la suite de l'histoire, nous a amenés à considérer que les humains que nous sommes sont des êtres d'antinature. Non pas au sens où on serait contre la nature, mais au sens où on pense échapper aux lois de la nature, par le fait qu'on peut les comprendre. On devient transcendant par rapport à la nature. Puisqu'on la comprend, on peut lui échapper. Et ça a en effet milité pour qu'on considère la nature comme un réservoir infini, qui est complètement indifférent à l'interaction qu'on peut avoir avec elle. On a l'impression que la nature, elle est infinie, elle est poreuse, elle ne réagit pas aux actions qu'on a sur elle, elle est gentille, quoi. Et ce qu'on a compris au XXe siècle, c'est que ce n'est pas vrai. La nature, l'environnement, en tout cas, rétroagit à nos actions sur lui. Pensez au changement climatique, à la pollution, etc. Et moi, j'entends dire que on reproche à Galilée d'avoir inventé une science qui a permis une surexploitation de la nature. Et j'entends des étudiants dire il faut liquider la science au motif d'un mauvais usage du monde. Autrement dit, la science nous a permis, par les moyens qu'elle nous a donnés, de mal nous comporter vis-à-vis de la nature. Eh bien, moi, je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas avec la physique d'Aristote qu'on va résoudre le problème du changement climatique. Je pense aussi que ce n'est pas avec la biologie de Pline l'Ancien qu'on va affronter la prochaine épidémie. Autrement dit, il faut tenir compte de ce qu'on a appris,
pour trouver le moyen de repenser la rationalité pour qu'elle ne serve plus d'alibi à toutes sortes de dominations. Mais repenser la rationalité, ça ne veut pas dire abandonner la rationalité. Et donc, je vous livre cette conclusion en vous laissant réfléchir dessus. Vous êtes incroyable parce que vous ne nous avez pas perdus, mais la dernière question, du coup, vous avez pris des notes, vous avez les réponses. Vous disiez que c'était la deuxième fois que vous veniez à Issy-les-Moulineaux cette semaine. Vous avez rencontré des collégiens. Eh bien, je me disais, en vous écoutant, qu'ils avaient bien de la chance. Parce que... voilà. Mais c'est eux qui ont parlé. Hein. C'est eux qui ont parlé. Enfin, j'imagine... Moi, j'ai juste corrigé. Ils ont eu de la chance quand même. Est-ce que vous avez des questions, peut-être, les uns ou les autres? Oui, je vous en prie. Ou dans le micro qui est devant, là. Oui, devant ou derrière. Oui, merci, Étienne Klein. Une question qui appellera sans doute pas vraiment une réponse, mais un constat un peu désabusé. Comment peut-on expliquer aujourd'hui, alors que la culture scientifique est à portée de tous, je fais court, hein, l'Internet... Il y a d'excellents tutos sur YouTube, il y a des choses extraordinaires, à commencer par vos conférences. Comment peut-on expliquer que la culture scientifique qui est à portée de tous soit aussi malmenée et finalement soit, j'ai l'impression, c'est un avis très personnel, soit finalement, enfin moi je considère qu'en 20 ans, on a perdu de manière générale la notion de culture scientifique au détriment de croyances et d'autres choses. Et ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ben moi non plus. Moi non plus. Il y a une phrase de Bachelard que je rappelais tout à l'heure quand on a pris une petite collation avant la conférence. Bachelard disait, le problème de la culture scientifique, c'est qu'elle est promue par des gens qui ne s'y intéressent pas. Elle est promue par des gens qui ne s'y intéressent pas. Il y a une méthode simple pour le constater. Vous prenez quelqu'un qui défend la culture scientifique et technique et vous le posez des questions de science. En général, c'est pas brillant. J'ai fréquenté quelques ministres, grands promoteurs de la culture scientifique. Mais bon, cela dit, moi je pense qu'il faut réfléchir sérieusement, là je suis sérieux, à ce qui s'est passé pendant le Covid. Voilà. Parce qu'avant, moi je faisais la vulgarisation, terme que je revendique, plutôt que diffusion de la culture scientifique et technique, pour des raisons intellectuelles. C'est-à-dire, je pense qu'en physique, il y a vraiment de très belles idées qui sont assez faciles à transmettre. Et tout le monde n'a pas la chance dans ses études de rencontrer ses idées. Et c'est donc une sorte d'obligation républicaine de diffuser ses idées sans obstacle idéologique, philosophique, religieux ou autre. C'est un principe républicain parce que la connaissance est une affaire publique. C'est pas démocratique. Hein. On va pas voter pour savoir qui est pour ou contre la théorie de la relativité. J'ai trop peur de résultats. Donc la science, elle n'est pas démocratique, elle n'a pas vocation à l'être. Par contre, elle est républicaine. Et donc mon travail, c'est un travail républicain. J'étais ému par l'ambition intellectuelle de faire connaître ces choses, de les faire circuler, parce que je pense que ça peut donner des joies intellectuelles à tous nos concitoyens. Mais aujourd'hui, mon engagement, il est beaucoup plus politique qu'intellectuel, parce que le Covid est passé par là. Et moi, je suis un traumatisé de la façon dont on a mis en scène la science et la recherche pendant le Covid. On avait une occasion historique de faire de la pédagogie des sciences. On avait l'occasion d'expliquer comment travaillent les scientifiques, et ils ne le font pas de la même façon selon leur discipline. Un sociologue ne travaille pas comme un médecin, qui ne travaille pas comme un physicien théoricien, qui ne travaille pas comme un biologiste. Mais comme les gens étaient intéressés, inquiets, on pouvait leur expliquer jour après jour comment on travaille, quelles sont les questions qu'on se pose, qu'est-ce qu'on sait ne pas savoir. On aurait pu expliquer ce qu'est une exponentielle, par exemple, parce que le terme était utilisé tous les jours. On aurait pu expliquer pourquoi il ne faut pas confondre corrélation et causalité. C'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il n'a plus les grenouilles. Hein,
Regardez le nombre de fois où on nous expliquait, sous prétexte que tel événement avait été suivi par tel autre événement, que le premier était la cause du second. Ce qui est le béaba du faux raisonnement, quoi. Et c'est pas parce que deux événements sont corrélés que le premier est la cause du deuxième. Et ben non, elles ont tout mélangé. Et ça, ça m'a évidemment choqué, notamment par le fait qu'on a confondu la science et la recherche. La science et la recherche sont deux choses qui ne sont pas étrangères l'une à l'autre. Mais elles sont quand même très différentes. La science, c'est un corpus de connaissances qui sont les bonnes réponses à des questions bien posées. Et donc, vous avez le droit de critiquer ces réponses. Mais vous ne pouvez le faire qu'à partir du moment où vous avez des arguments scientifiques pour le faire. Vous ne pouvez pas contester un résultat scientifique avec vos croyances, vos préjugés ou votre ressenti. Voilà, quand j'ai un étudiant qui se lève en me disant, après que j'aurais expliqué pourquoi la durée d'un phénomène dépend de la vitesse de l'observateur, le gars se lève et me dit, monsieur, je ne suis pas d'accord avec Einstein. Pourquoi ? Bah parce que cette dilatation des durées, je ne la sens pas. Mais Coco, depuis quand est-ce qu'on a pu fabriquer un narcissisme aussi important pour qu'on puisse considérer que sa subjectivité a suffisamment de pouvoir pour contester un résultat qu'un siècle d'objectivation a permis de valider ? Alors l'explication, c'est peut-être que notre cerveau n'aime pas être contredit et que finalement, la différence entre nous aujourd'hui et nos ancêtres, c'est que nos ancêtres ont évolué dans un monde où il y avait très peu d'informations, et donc ils ont fabriqué des biais cognitifs. Notre cerveau a fabriqué des biais cognitifs qui sont très utiles. À quoi ça sert un biais cognitif ? Ça sert à prendre des décisions quand on manque d'informations. Voilà. Et donc l'intuition, le bon sens, l'expérience, le fait de faire confiance à quelqu'un, sont des biais cognitifs qui nous permettent de prendre des décisions. Et puis tout d'un coup, on passe d'un état où on manque d'informations à un état où on est dans un tsunami d'informations. Et toutes les thèses coexistent. Toutes les thèses coexistent. Bah, votre cerveau, d'une part, il n'aime pas être contredit, et ça c'était vrai avant le numérique. Les gens de gauche, avant le numérique, ne lisaient pas le Figaro. Les gens de droite ne lisaient pas l'Humanité. Parce que quand vous lisez le journal, vous voulez que ce qui est lu, ce qui est écrit plutôt, soit au moment, soit votre façon de comprendre le monde. Si vous êtes choqué par la lecture de votre journal, vous changez de journal. Donc notre cerveau n'aime pas être contredit. Et aujourd'hui, bah, il va déclarer vraies les informations qui lui plaisent. Alors qui lui plaisent, ça veut dire dont il a envie qu'elles soient vraies. Et moi, j'ai été extrêmement choqué de voir qu'assez vite, et là je reviens au Covid, les gens qu'on invitait sur les plateaux, les premiers qu'on a invités, les experts, en réponse aux questions des journalistes, répondaient le plus souvent et honnêtement, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Eh bien, ces gens étaient médiatiquement détrônés par d'autres qui avaient réponse à tout. Un scientifique qui parle dans les médias, notamment en période de crise, il doit distinguer dans ses propos ce qui est su de ce qu'on sait ne pas savoir. Donc il doit distinguer la science et la recherche. Il doit dire des phrases du genre « nous savons que » et « nous nous demandons si ». Voilà, c'est ça un scientifique. Et on nous a... Bon bref, je ne vais pas donner de nom. Mais il y a des gens qu'on a trop entendus, trop vus. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient exactement ce qu'on avait envie d'entendre. C'était complètement faux. Dans un régime normal, ces gens auraient dû être évacués au bout d'une semaine. Et on se les trimballe encore. Je ne vais pas donner de nom. Cela dit, pour finir là-dessus, moi j'ai pas une conception scolaire de la démocratie, hein, ou de la citoyenneté. Je pense qu'une personne qui ne s'intéresse pas aux sciences est aussi bon citoyen qu'une autre qui s'y intéresse. Simplement, il y a des cas où les gens qui ne s'y intéressent pas sont un peu plus facilement manipulables. Une autre... J'ai jeté un froid. Non, non, non. Réfléchisse.
Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, là-haut. Oui, après. Merci beaucoup pour ces explications. En début de présentation, vous avez été un peu sévère avec l'observation et l'expérimentation en disant « Ouh là là, il faut faire très attention ». Est-ce que vous ne pensez pas quand même que l'on manque un peu aujourd'hui d'observation? J'ai pas mélangé l'observation et l'expérimentation. Je suis sévère. Évidemment, mes propos étaient radicaux. Mais c'est à la mode d'abord, et puis ça permet de se faire comprendre. Non, l'observation, évidemment, elle est une étape obligée, mais elle n'est pas définitive. Précisément parce que le monde nous cache l'univers. Voilà, vous pouvez faire toutes les observations que vous voulez sur Terre, vous aurez toujours l'impression que les montres restent synchronisées. Et ça vous trompe sur la nature du temps, qui n'est pas universelle et pas absolue. Et donc, je pense que le monde n'est pas pédagogique en matière de lui-même. C'est-à-dire qu'il ne nous explique pas comment il fonctionne, ou il nous fait croire des choses qui sont en fait fausses. Et donc l'observation, qui est là, ou le bon sens, moi j'entends des partis politiques dire qu'ils sont le parti du bon sens. Bon, évidemment je suis conscient que sans bon sens, notre espérance de vie serait limitée. Il faut avoir du bon sens dans la vie quotidienne, je ne doute pas de ça. Par contre, le bon sens n'est pas une arme critique. Parce que le bon sens, quand on l'utilise pour contester la science, permet de dire qu'Einstein dit n'importe quoi, que Galilée dit n'importe quoi, etc. Les lois physiques ne sont pas conformes à ce qu'on pense qu'elles sont spontanément. Ce qui est vraisemblable, ce qui est semblable au vrai, en général, n'est pas vrai. Et donc, c'est une incitation à avoir un esprit critique très vif à l'égard de l'observation et aussi à l'égard de non-sens. Je vous donne un exemple. Imaginez que je pose sur la table un morceau de bois. À côté, je mets un morceau de marbre. Bon. Ensuite, je vous demande de venir nous rejoindre et de poser la main d'abord sur le morceau de bois, puis sur le morceau de marbre. Ensuite, je vous demande, à votre avis, lequel de ces matériaux est le plus chaud ? Je suis sûr que vous allez me répondre le morceau de bois. Quand on met la main sur un morceau de bois, on a l'impression qu'il est plus chaud que le morceau de marbre. C'est de l'observation. Okay ? Ensuite, je sors deux glaçons de ma poche. Le premier glaçon, je le mets sur le morceau de bois. Le second, je le mets sur le morceau de marbre. Et je vous demande, à votre avis, lequel des deux glaçons va fondre le plus vite ? Vous allez me dire le morceau de bois. Ben vous allez voir le glaçon qui est sur le morceau de marbre disparaître en quelques secondes. Et le glaçon qui sera sur le morceau de bois, il sera encore là après la conférence. Okay ? Donc l'observation, bonjour. Et en plus, vous serez encore plus étonné si je vous dis que le morceau de bois et le morceau de marbre, en fait, étaient exactement à la même température, qui était la température de la pièce. D'accord ? Et donc, vous voyez, c'est le genre d'expérience qui nous invite à nous méfier de ce que Hegel appelait la certitude du sensible. On est sûr de nos sens. Et c'est à partir du moment où on se rend compte qu'on est trompé par nos sens et par nos réflexes intellectuels qui nous font conclure, comme je viens de le faire à propos des glaçons qui fondent, c'est à partir du moment où on se rend compte que nos sens nous trompent, qu'on est prêt à accepter de faire un pas vers le théorique, vers l'abstrait, vers les lois, pour comprendre pourquoi les choses ne se déroulent pas comme on pense qu'elles devraient se dérouler à partir de la logique qui est déjà inscrite dans notre cerveau. En fait, faire de la physique, depuis Galilée, c'est la fameuse phrase de Bachelard, faire de la physique, c'est penser contre son cerveau. Voilà, c'est penser contre son cerveau. Évidemment, on pense avec son cerveau, mais faire de la physique, c'est accepter d'entendre des choses qui contredisent notre pensée spontanée, pour voir comment le cerveau est capable de réagir, d'absorber ses arguments, de les contester, de vivre avec, etc.
Et je trouve que, pour revenir à votre question, évidemment, j'ai peut-être donné l'impression que je méprisais l'observation. Mais c'est bien de regarder la nature, d'être attentif, d'être observateur, etc. Mais moi, je ne connais pas de loi physique qui résultait de la simple observation. Ou plus exactement, je connais une physique qui résulte de l'observation, c'est celle d'Aristote. Et elle est intégralement fausse. Intégralement fausse. Voilà. Donc, vive l'observation quand elle, qu'elle alimente la poétique du monde, nous rend sensible à la beauté du monde, mais elle n'est pas pédagogique. Elle n'est pas pédagogique. En tout cas, pas en physique. La physique, elle utilise de l'abstrait, donc peut-être qu'en biologie, l'observation est plus importante. Mais je pense qu'elle n'est pas le meilleur guide de la pensée. Et ce qui est vraiment fécond, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire une fois qu'on est armé avec un bagage théorique, de venir le tester sur des expériences qui mettent le réel dans des conditions spécifiques qui permettent de trancher certaines questions. Vous voyez, l'observation, personne n'a jamais vu d'électrons, personne n'a jamais vu d'atomes, personne n'a jamais vu de galaxies à l'œil nu. On ne voit pas grand-chose, en fait. Hein. Regardez, la nuit noire. La nuit noire. Il nous semble normal qu'il fasse nuit la nuit. Parce que le soleil est caché. Mais vous avez remarqué qu'il y a des étoiles partout. Et quand vous faites un calcul de la lumière émise par toutes les étoiles, vous constatez que la lumière dans l'univers devrait être tellement intense qu'il devrait faire jour 24 heures sur 24. Ça, c'est un paradoxe qui a duré 4 siècles. On a mis 4 siècles à le résoudre. Et pour comprendre pourquoi il fait nuit la nuit, il faut avoir compris que la vitesse de la lumière n'est pas infinie. Donc il y a des étoiles qu'on voit qui, en fait, n'émettent plus de lumière. Il faut avoir compris que les étoiles ont un âge fini, elles n'ont pas toujours été là. Et il faut avoir compris que l'univers est en expansion, il se dilate, de sorte que la fréquence de la lumière émise par les étoiles se décale vers le rouge, et même vers l'infrarouge. Donc c'est une lumière qu'on ne peut pas voir. 4 siècles pour comprendre ça. Et en plus, on a compris que si le ciel est noir, c'est pas parce qu'il est noir, c'est parce qu'on n'y voit rien. Notre œil ne voit pas l'infrarouge, ne voit pas l'ultraviolet, ne voit pas les hautes fréquences, ne voit pas les basses fréquences. Mais en fait, le noir, la nuit est brillante. Il y a plein de rayonnements. Mais on ne les voit pas. Et maintenant, quand il fait jour et qu'il fait beau, on dit le ciel est bleu. Mais c'est pas vrai. Le ciel, il n'a jamais été bleu. Il est toujours noir. Quand vous êtes sur la Lune, même quand le soleil est dans le ciel, le ciel est noir. Le ciel, il est toujours noir. Donc ce qui est bleu, c'est quoi? C'est l'atmosphère. C'est l'atmosphère. Donc il y a du bleu sur 80 km. Mais au-delà, c'est du noir. Et quand on dit que le ciel est bleu, on a l'impression qu'il y a du bleu dans le ciel, mais il n'y a pas de bleu dans le ciel. Oui, donc l'observation, non. Quand vous allez voir le ciel, merci. Dorénavant, vous allez penser à Étienne Klein. Je vous en prie. Bonsoir, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'au XXIe siècle, il y a encore des chances scientifiques qui permettraient des découvertes comme celle de Galilée, et est-ce qu'il pourrait y avoir un nouveau Galilée ou un nouvel Einstein, parce qu'il y a encore des domaines qu'on pourrait révolutionner? C'est une bonne question. Alors, Galilée, c'est un génie, hein. Einstein, c'est un génie, mais être un génie, ça n'est pas simplement avoir la propriété d'être un génie. Je veux dire par là que Galilée, aujourd'hui, a un génie qui serait peut-être complètement inutile et pas adapté. Einstein, aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'il serait recruté au CNRS. Vous imaginez Einstein passant un entretien d'embauche au CNRS? Aucune chance. Donc, ce qu'on appelle un génie, c'est plutôt la rencontre
entre une façon d'interroger le monde et certains problèmes qui se posent à une époque donnée. C'est la rencontre entre une intelligence et une problématique. Et Galilée, il est arrivé à un moment où son intelligence a pu percuter des problèmes d'une façon cruciale. La même chose vaut pour Einstein, évidemment. Mais l'intelligence, le génie de Galilée, c'est pas exactement le même que celui d'Einstein, qui n'est pas celui de Newton. Donc il y a autant de génie qu'il y a de façons d'être un génie. Et un génie qui reproduirait les méthodes du génie précédent ne serait pas un génie. Donc, en physique, est-ce qu'on a besoin d'un nouvel Einstein? Je ne saurais pas dire. Je pense qu'on a plutôt besoin, pour le coup, de données. De données, parce qu'en physique des particules, on a un modèle standard qui ne contient pas la gravitation. Donc, on travaille à essayer de le compléter par la gravitation. Il y a de multiples pistes théoriques qui sont envisagées, mais on n'a pas de données permettant de les discriminer. Et donc aujourd'hui, je parle de la physique, hein, je ne parle pas d'autres disciplines que je connais mal, mais en physique, je pense qu'on a eu trop de génie. Et du coup, on a des modèles théoriques qui vont au-delà de ce qu'on est capable de tester par l'expérience. Donc je militerai plus pour que le contribuable nous paye des gros accélérateurs de particules et des télescopes. Il y a trop d'idées, quoi. Message reçu. Il y a trop d'idées. Oui, on va prendre une dernière question. Je vous en prie, madame. Oui, mais en même temps, je ne sais pas, quelquefois, l'observation permet à des scientifiques de, comment dire, de donner un coup de pouce. Par exemple, je pensais à Cillade Léo. C'est quand il était à Londres, dans la rue, il paraît qu'il était un feu rouge. La fission. Voilà. Et puis il a vu le feu qui passait du rouge au vert, et on dit que c'est à partir de ce moment-là qu'il a eu, l'intuition de la réaction en chaîne. Non. Non. Non, non. Non, non, c'est un peu la légende, si vous voulez. C'est... Vous voulez qu'on raconte toute l'histoire ou pas? Parce que la découverte de la... Oui, par exemple, monsieur parlait de la culture scientifique. Bon. Il y a des choses qui ont fonctionné dans la façon de diffuser les connaissances. Mais parfois, c'est la catastrophe. Par exemple, dans la culture commune, Einstein et la bombe atomique ont un lien direct. Au motif qu'il a écrit E égale MC2. C'est complètement faux. E égale MC2, c'est une formule qui date de 1905. L'uranium, on l'a découvert en 1789 comme élément chimique. Donc s'il suffisait d'avoir de l'uranium et E égale MC2 pour penser à la bombe, on aurait pensé à la bombe en 1905. Or, personne n'a pensé à la bombe avant 1939. En fait, la bombe n'a rien à voir avec E égale MC2. En tout cas, n'a rien à voir avec cette découverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quand on a découvert, en effet, la fission nucléaire. Le fait que l'uranium, quand il est percuté par un neutron, se coupe en deux. Ça fait deux noyaux au lieu d'un. Et l'énergie emportée par les noyaux qui résulte de la fission, elle résulte de la conversion d'une partie de la masse du noyau de départ en énergie. La masse devient de l'énergie. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que cette découverte, elle a été faite parfaitement par hasard. Personne ne l'avait imaginée à l'avance. C'est d'ailleurs une chance, si j'ai encore deux minutes, parce que c'est une histoire incroyable. En 1934, il y a un physicien italien qui s'appelle Enrico Fermi. Pendant toute l'année 1934, il a bombardé tous les métaux qu'il pouvait acheter chez les quincailliers de Rome avec des neutrons. Il a déposé des brevets à chaque fois parce qu'il fabriquait des radioéléments. Le neutron était capturé par le noyau. Il se désintégrait en protons par radioactivité bêta. Et donc, il fabriquait un radioélément qui n'existait pas avant. Il faisait des noyaux artificiels. Et à chaque fois, il déposait un brevet. Et puis, à la fin de l'année 34, ils se sont dit, bon, on va faire la même chose avec l'uranium. Parce que l'uranium, c'est l'élément chimique le plus lourd sur Terre. Il y a 92 protons dans le noyau. Si on le bombarde avec un neutron,
il va absorber le neutron. Le neutron va se transformer en proton par radioactivité. Et donc, on va fabriquer un nouvel élément chimique qui sera l'élément 93. Le premier transuranien, le premier élément plus lourd que l'uranium. Ils font ça, ils bombardent. Ils font des analyses chimiques de la cible pour vérifier qu'il n'y a pas d'élément chimique proche de l'uranium. Hein. Et paf, ils proclament qu'ils ont découvert l'élément 93. Il faut lui trouver un nom. Le patron du labo qui s'appelle Persico, qui va être bien vu par les fascistes, propose qu'on le baptise Mussolinium. Mais là, Fermi, il n'est pas fasciste, il n'aime pas ça. Et il trouve un argument assez subtil pour que ce nom ne soit pas retenu. Il dit la durée de vie radioactive de cet élément est sans doute très brève et ça pourrait déplaire au Duce. Donc cet élément n'a pas été baptisé, on l'a appelé l'élément 93. Il publie, ça lui vaudra le prix Nobel. Mais quelques semaines après la publication, il reçoit une lettre d'une femme qui s'appelle Ida Dodak, qui est allemande et on l'appelle la Marie Curie allemande. Avec son mari, elle a découvert l'élément 75, uranium. Et elle écrit à Fermi, mais vos analyses chimiques là, est-ce que vous êtes sûr que vous les avez bien faites? Si l'uranium est l'élément chimique le plus lourd sur Terre, c'est peut-être parce que un élément chimique plus lourd serait instable. Et donc votre uranium 92 percuté par un neutron, peut-être qu'il s'est coupé en deux, peut-être qu'il s'est fragmenté, c'est le mot qu'il utilise. Donc elle pense que l'uranium a fissionné. Mais les gars disent c'est pas possible, d'abord c'est une femme. Comment un petit neutron lent pourrait casser un gros noyau qui contient 235 nucléons? Donc elle publie un papier en allemand, Über das Element 93, qui sera lu mais complètement méprisé par tout le monde. Et heureusement que les hommes ne font pas confiance aux femmes. Parce que s'ils avaient confiance, on aurait découvert dès 1934 la fission de l'uranium, donc la possibilité de faire une bombe atomique. Ça aurait changé l'ambiance en 1940. En 1938, un chimiste allemand qui s'appelle Otto Hahn veut refaire l'expérience. Il a lu le papier d'Ida Dodak. Il le trouve ridicule, sont ses propres mots. Il bombarde de l'uranium avec des neutrons, fait une analyse complète de la cible, trouve du barium. Il a lu Ida Dodak, qui parle d'une possible fragmentation. Il dit non, le barium, c'est une impureté qui vient du laboratoire. Il nettoie le laboratoire, il y a toujours du barium. Il écrit ses résultats à Lise Meitner, sa collaboratrice qui a dû fuir parce qu'elle est juive. Elle est à Stockholm, en Suède. Et c'est elle qui va comprendre que le barium résulte de la fission d'uranium. Ça, c'est décembre 38. Et après, réaction en chaîne, c'est septembre, c'est Joliot Curie qui va publier son papier en mai 1939. Vous voyez, la découverte de la fission n'a rien à voir avec EMC2. Je veux dire par là que le fait d'écrire E égale MC2 ne laisse pas penser que certains noyaux très lourds peuvent fissionner. Et Einstein va écrire la lettre à Roosevelt, c'est vrai, mais il ne va pas du tout être associé à la bombe, à Projet Manhattan. Et l'association qu'on va faire entre lui et la bombe, ça vient du journal Le Times. En juillet 1946, Le Times, à la une, célèbre le premier essai atomique qui avait été réalisé dans le désert du Nouveau-Mexique en juillet 1945. Et sur la couverture, on voit Einstein tout triste, le champignon atomique, des navires de guerre qui flottent sur l'océan, un nuage qui a la forme d'un cobra, et au milieu du nuage, il y a écrit E égale MC2. Et le titre, c'est Einstein, le cosmoclaste. Einstein, le destructeur de l'ordre. Et c'est depuis cette couverture que l'association Einstein-bombe atomique a été faite. Pardon ? Elle a fait quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, parce qu'il est vrai que l'énergie libérée dans une explosion atomique vient du fait que la masse se convertit en énergie. Mais si je laisse tomber mon stylo de cette hauteur, il va acquérir de l'énergie cinétique
et ça va augmenter son inertie par E égale MC2, mais d'une façon négligeable. Donc E égale MC2, c'est une formule universelle qui vaut partout, pas seulement dans les explosions ou dans les réacteurs nucléaires. C'est compliqué de terminer parce qu'en fait, on aimerait bien vous écouter encore. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve autour d'une séance de dédicace. On a terminé en faisant le lien entre la science et l'histoire. Ça me va bien. Merci beaucoup à vous. On peut vous applaudir et vous retrouver autour du verre de l'amitié. Je suis à moitié sourd, donc si les gens bougent, je n'entends rien. Enfin, maintenant, j'entends. Il n'y avait pas besoin de la... Bah, j'aurais lu des choses. Vous avez de la mémoire. Ouais, tant qu'on a de la mémoire. Mais je me souviens que quand j'étais jeune...